La 5e édition du camp biblique national Porcel 2024 s'est tenue du lundi 25 au dimanche 31 mars 2024. Ce rendez-vous d'enseignement, d'édification et de prière était placé sur le thème « Lève-toi et brille, ton heure a sonné ». L'événement était conjointement coordonné par le frère Paul, Signel et Léance, sous la supervision générale du pasteur Tony Anguilin, dirigeant national du ministère des jeunes étudiants de l'œuvre au Gabon. Le grand hall de Porcel du quartier général de la CMCI Gabon a servi de cadre pour abriter ce camp biblique qui a vu la participation de plus de 1150 jeunes venus des quatre coins du pays. Le pasteur Joseph Ngandu, orateur principal de ce camp, a ouvert le camp en partageant premièrement le fardeau du leader, pasteur Théodore Andossé, pour ce camp biblique. L'homme de Dieu a par la suite fixé les objectifs spécifiques de chaque journée de ce camp avec les jeunes, afin que les 7 jours soient pleinement bénéfiques pour chaque campeur et pour notre ministère au Gabon. Il a commencé son premier message par la vraie conversion, avec le souci de s'assurer que chaque jeune présent ait une conversion authentique, afin que l'un des objectifs du département des jeunes et étudiants, qui est celui de produire du sang neuf pour notre ministère et une bonne sémence pour notre communauté, soit atteint. Il déclinera par la suite les différents objectifs de ce département du ministère avant d'atterrir sur la nécessité de produire les dirigeants et ouvriers compétents pour l'accomplissement de notre but au Gabon. Tel était le vœu émis par le prédicateur de l'Éternel. Nous voulons produire des dirigeants relais, l'a-t-il souligné. Nous voulons les jeunes et dirigeants de relais forts qui vont déclencher le réveil et accomplir notre but. Nous voulons produire des dirigeants qui vont assurer la continuité de l'œuvre, assurer l'émergence des profils de vie spirituelle et de ministères distincts avec comme modèle terrestre le frère Zach. Nous voulons produire des missionnaires nationaux, internationaux, expatriés à court terme, métropolitains de la littérature chrétienne aux jeunes et aux étudiants, l'a-t-il conclu. Ainsi, pendant 7 jours, le pasteur Joseph Ngandu est entré en profondeur en déchargeant le fardeau de son cœur pour le ministère aux jeunes et étudiants au Gabon. Les enseignements étaient en deux sections, la première en matinée jusqu'à l'après-midi et la grande section de réveil en soirée qui rassemblait plus de monde avec les anciens et dirigeants aînés du Gabon. Ce 5e camp biblique était riche en enseignements. De multitudes de jeunes sont partis du camp transformés et pleins de reconnaissance à Dieu et aux organisateurs du camp. Ils ont exprimé leur joie à la fin de ce camp au micro de RTVC. Ce qui m'a marqué le plus, c'est lorsque Papa Jojo a parlé du fait de la relation du disciple et du faiseur de disciples. Il a dit que c'est une relation où nous devons avoir une confiance mutuelle qui va créer une fusion des cœurs afin que ce soit une relation comme Paul a eu avec Timothée. Amen. Le Seigneur a tellement été enseigné et plusieurs choses ont été bouleversées dans mon cœur à partir des enseignements de Timothée sur les titres que nous avons reçus. Et je me suis dit, au sorti de ce camp, l'année prochaine, il faut que je travaille pour être effectivement ce dirigeant de relais, parce que je me suis rendu compte, au regard des enseignements, que je n'étais pas prêt à prendre le relais. Mais cette fois-ci, je me suis engagé fermement à travailler pour être ce dirigeant compétent et prendre le relais pour continuer la course commencée par nos pères. J'ai été très béni par ce camp. Pour moi, ce camp est révolutionnaire. Vraiment, le Seigneur a saisi les cœurs comme jamais. Le Saint-Esprit était présent, il était palpable. Vraiment, c'est l'un des camps qui m'a vraiment le plus marqué. Ce camp a permis à des centaines de jeunes d'expérimenter la vraie conversion, le baptême dans l'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, avec évidence du parler en langue. Le frère Paul, président du comité d'organisation, n'a pas manqué de dire un mot au sorti de ce camp. Nous bénissons le Seigneur pour ces 7 jours de camp biblique national ici à Libreville, à Porcel. Nous bénissons le Seigneur pour la présence du frère Jojo et toute son équipe. Nous bénissons le Seigneur pour la présence du Seigneur durant toutes ces 7 jours. Nous avons été enseignés, nous avons été richement bénis. Et ce jour de clôture, vraiment, nous exprimons notre joie au Seigneur pour avoir été avec nous, avec ses délivrances, avec ses nombreuses guérisons et autres. Et nous, pendant ces 7 jours, les enseignements ont été portés sur le discipulat. Premièrement, il y a un préalable au discipulat, c'est la vraie conversion. Ensuite, les exemples
des disciples-là dans la Bible à travers Timothée et à travers Tite. Timothée a suivi le message de Paul. Timothée a suivi l'enseignement de Paul. Timothée était avec Paul dans ses souffrances. Donc il pouvait enseigner, il pouvait témoigner par rapport à ce qu'il avait reçu de l'apôtre Paul. Et nous avons été bénis par l'enseignement de Tite. Oh, nous remercions le Seigneur. Parce qu'au sorti de ce camp, nous serons des jeunes forts. Au sorti de ce camp, nous serons des jeunes relais. Au sorti de ce camp, nous allons produire, nous allons porter du fruit. Après un dîner de revoir chez le pasteur Calvin Ekoa, dirigeant national de l'œuvre au Gabon, les dirigeants ont recommandé le pasteur Joseph Ngandé et son équipe à la grâce du Seigneur pour le voyage et les prochains ministères. Le cap est à présent mis sur le camp de la méga church de Yaoundé du mercredi 3 avril au dimanche 7 avril 2024. Adieu toute la gloire.